Mais en même temps, tu reçois ton salaire, tu prends ça. Il crée un mouvement. Vous voyez, ça n'a pas Jésus. Mais il y a 100 000 francs dans sa main. Depuis le village, les sorciers sont au courant. Sa maman va avoir l'argent. Sa maman va attacher un nouveau pain. Et regardez, avant que Sanjo vienne en ville, sa maman vient à vivre. Tiens, morceau de paille. De temps de 5 ans. Tout ce que tu as trouvé à manger, quand tu as voir ce morceau de paille, souviens-toi de moi. Il est en train d'arranger sa nourriture. Il va manger avant d'aller au village. Mais avant de manger, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez quand il va couper la boule. Il a coupé la boule. Il a mis dans la sauce. Au moment où il le met dans la bouche, il se rappelle. Il se rappelle. Sa maman a dit tout ce que tu as trouvé à manger. Quand tu as voir ce morceau de paille là, souviens-toi de moi. Il est en train de penser à sa maman. Parce que lui, il a fait 6 mois en prison. Et sa maman, qui lui donne à manger? Il est en train de penser à ça. Regardez, manger, il a commandé à pleurer. Il dit, non, moi je ne peux plus manger. Mais ma maman, elle est seule au village. Qui lui donne à manger? Et puis moi, je suis seul. Je suis en ville ici. Il va quitter là. Il va prendre encore les 100 000. Il va aller dans un magasin. Où ça va pas? Il va payer 3 complets de paille. Pour que sa maman change de paille. Alléluia. Pour que sa maman change de paille. Il paye 3 complets. Les sorciers sont au courant que paille arrive. Ils sont au courant que l'argent arrive. Alors, quand il a quitté le magasin, dès que ça lui arrive au village, les sorciers ont tué sa maman, ils sont creusé le tombeau de sa maman. Ils ont tué sa maman. Parce que c'est sa maman qui va avoir l'argent. C'est sa maman qui va attacher bon pain. Paille est resté dans sa main. Il a croisé son frère du village. Il dit, mon frère, est-ce que ma maman est là? Et le monsieur ne veut pas annoncer le décès de sa maman. Parce qu'il est le seul enfant. Il est le seul enfant. Regardez, il dépasse le monsieur. On ne vient pas encore dire la vérité. Et le monsieur va devancer Sandra à la maison. Le monsieur va devancer Sandra à la maison. Il va le devancer. Et voici les sorciers qui ont tué la maman de Sandra. C'est là qui ont tué la maman de Sandra. Vous voyez? Regardez leur manière de pleurer. Regardez la manière de ils ont vu que la maman va changer de paille. Ils ont vu que maman va avoir un peu d'argent. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Attendez, hein. L'enfant arrive, hein. Essuyez vos larmes. Son seul enfant arrive. Mais ne lui a pas dit que sa maman est malade. Donc je vous demande. Il arrive dans la cour là-bas. Il y a quoi? Mais pourquoi la cour est calme? Il ne voit même pas ma maman au milieu de vous. Elle est dans la maison. Mais il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a quoi? Et puis vous pleurez. Regardez, au moment. On pleure pas. Au moment Sandra va entrer fouiller la maison. Sa maman, regardez sa maman qui est couchée sur le lac au cimetière. Ils vont l'enterrer dans Nat. Vous voyez dans la famille où on adore des fétiches. Dans la famille où on adore des fétiches. Écoutez bien. Et regardez. Sa maman est couchée, le corps est couché là. Maman, je m'en vais en ville pour t'apporter bonheur. Maman, pourquoi vis sur ma famille? J'ai pas à faire. Regardez le corps. Regardez le corps qui est couché. Ils vont l'enterrer dans Nat. Ils vont l'enterrer dans Nat. Vous voyez un peu? Et
Le lendemain, tu as réservé quoi, tu sais pas. La mort peut te prendre tout moment. Et si tu meurs, ton âme va où? Regardez, je tiens à vous encourager. Ma, tu es encore jeune. Tu as pris de l'âge. Tu es vieille. Tu es enfant. C'est de toi que le Seigneur parle. Après la mort, c'est le jugement. Et regardez, l'enfant vient. Maman, pourquoi tu me fais ça? Maman, lève-toi. Maman, ouvre les yeux, faut me regarder un peu. Maman, j'ai payé paille pour toi. Maman, lève-toi, tu as passé ton paille. Maman, lève-toi, tu as pris ton argent. Maman, faut me regarder une fois. Maman, quand j'ai parti en ville, est-ce que c'était ce que tu m'as dit? Maman, pourquoi? Réveille-toi. Maman, je te demande pardon. Maman, tu n'entends pas ma voix. Ouvre les yeux, regarde-moi. Maman, derrière le morceau de paille que tu m'as donné. Maman, le morceau de paille est là. Maman, j'ai envoyé couper les pailles. Faut te lever. Maman, lève-toi maintenant. C'est moi ton fils. Maman, pourquoi? Maman, c'est moi, tu n'entends pas ma voix. Ouvre les yeux. Maman, je te demande pardon. Ouvre les yeux. Regarde-moi un peu. Maman, regarde-moi. J'ai dit, laissez-moi, ma maman. Alléluia. Regardez, vissant Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Nous ne sommes pas venus vous mentir. Mais c'est la réalité. Dans certaines maisons, il y en a qui vivent ça. Nos enfants qui sont en ville n'ont pas travaillé. La malédiction les accompagne. À cause des sacrifices que nous faisons dans le village. À cause des fétiches que nous adorons. Essayez quelque chose. Prenez votre courage et acceptez Jésus-Christ. Jésus. Le Seigneur va transformer l'histoire de ce village. Alléluia. Alléluia. Mais écoutez, dans les lieux où on adore des fêtes, allez-y voir au nord. Il y a une sous-préfecture qu'on appelle Nation. Nation a eu sa préfecture en 63. Nation. Mais allez-y voir. Votre village. Ama kure, yé kure. C'est un village bien que grand que. Yé kure, il y a ka ibritrado. Nous avons parcouru tous ces endroits. To kwati yé ya senda yué. Aujourd'hui, ene, on est chez vous. Yé wa ama kure wa. C'est Dieu qui vous a aimé. Nyame yo huru ya mo so. C'est Dieu qui vous a sélectionné. Nyame yo wa pa ya mo. Pour que vous ayez la vie éternelle. Na ama ya ndanga mangwa. Regardez les gens qui l'aïra. Ama na sika wa ya ne. Il a enterré sa maman. Wa wa sieni. Sa maman est morte. Il y wa où? Il retourne en ville. Wa sa sinkuru. Maintenant qu'est-ce qu'il va faire? Zinjo yo. Il est allé chercher travail. Wa kwa pe le juma. Il a eu travail. Wa ya juma. Dans une société de construction. Ba kamo ebe sisuai. Voilà, ils sont en train de ils travaillent là. Oh, ba te brique. Regardez où l'enfant travaille là. D'habitude, on payait les gens bien. Mais tu as voilà, on payait les gens très bien. Mais tu as quand il a déposé pied là-bas, on dit il n'y a pas l'argent si vous payez. Ouais, il y a des gens qui savent travailler dans les sociétés ou bien qui font des. L'argent des sociétés ne suffit pas. Et l'argent te donne au moins 2000 francs. Si tu as on dirait quelqu'un.
qui n'a pas travaillé. Dans la femme à Bahan, son beau béni, vous dites du mal. Alors, Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous croyez. S'il a fait venir ses serviteurs depuis son père. Regardez San Pedro. Amane San Pedro. Ici. Et voyez, il fait deux et du bois. Le père petit trajet. Non, on Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier, on est rentré, on a dormi à Imre Kuru. Amen. Il fait San Pedro de Boyé. Alléluia. Amen. Tout cela, le Seigneur nous envoie vers vous. Soigne Jésus-Christ, Yoshumaye, Amonwa. Yaokro qui est là, n'a pas réussi cette guerre. Yaokro, Yamia, Wanzumayado. Mais c'est toi qui viens ici. Yaokro, Yamia, Payawa. Si vous l'acceptez, vous verrez la gloire de Dieu. Amle, Yamia, Alléluia. Regardez, le patron vient, il est en train de le payer. Le patron, tu as calé, tu as calé. L'argent est petit. C'est quand c'est quand. Le travail aussi est vraiment petit. Alléluia. Amen. Et regardez, on donne l'argent des 100 euros, il ne prend pas. Il est fâché. Parce que l'argent n'arrive pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit tiens. Il dit travail qui est dur là, c'est tout son argent qui est là. Qu'il soit ici, il a pris l'argent à poulet. 100 euros retourne à la maison. Écoutez, hein. L'argent qu'on lui a donné là. Il est, quand on le paye, il est rentré dans un groupe de tontines. Le groupe de tontines. Mes amis, c'est là les petits enfants qui dorment là. Faites la soie les grandes personnes. Vous voyez? Regardez l'argent, il est rentré dans tontines. L'argent qu'ils ont pris là, c'est l'argent des 100 euros. L'argent qu'ils ont mis dans sa main là. Comme sa vie n'est pas en Jésus. Et puis le village. Les sorciers sont au courant que Sanga a eu l'argent. Parce que tant que ta vie n'est pas en Jésus-Christ, ta vie là, Satan sait qu'il connaît ta vie. Il a déposé l'argent en bas de sa chemise qui est là-bas. Et il va s'asseoir pour réfléchir. Qu'est-ce qu'il va faire à l'argent? Bon, et si il gérait des cabines? Et qu'est-ce qu'il doit faire? Écoutez, il n'a pas encore réussi. Regardez celle-là. Elle possède un esprit de la sorcellerie. C'est sa petite maman. Mais qu'est-ce qui apporte la sorcellerie dans une maison? C'est le fétiche. C'est ça qui apporte la sorcellerie. Ça parle de la malédiction qu'elle a reçue la sorcellerie. Sans ça, il y a un an et un an. Elle dit à la jeune fille que mon enfant habite ici. L'argent qu'il a mis tout à l'heure, l'argent. Les sorciers ont pris l'argent. Il faut avoir l'argent. Regardez. Regardez la vie. Souvent, dans la réforme, l'argent, on perd les choses. On dit non, c'est les gens qui ont pris. Oh, c'est la malédiction, les démons. Regardez, le travail qu'il a fait des années, son argent a disparu. L'argent a disparu. L'argent a disparu. Alléluia. Amen. L'argent a disparu. Regardez la vie sans Jésus.